À peu près cinq mois on était ici donc avec un groupe de Français et puis donc il y avait un jeune du village qui était arrêté par les Israéliens. Tu y étais ou pas? Non, c'était l'année dernière. Il y a 5 mois à peu près. C'était l'année dernière. Et donc, depuis, les membres de cette famille, ils subissent beaucoup de pression et des attaques physiques de la part justement des colons, de l'armée, de la police et puis des gardiens de l'environnement. Les مستوطنين ضربوا الشباب وبمنعوهم يسرحوا بالغنم تبعهم بالجبل اللي جنبهم هذا هون مشان غنمهم تاكل عشب. وقتلوا الحصان تبع الشباب حصان صغير لانه كان دخل المنطقه اللي هم مانعينها وبمنعوهم يستخدموا نبعة المي اللي هون. Et donc ils ont tabassé les jeunes, ils les empêchent d'aller avec leur troupeau là-bas. Ils ont tué leur âne qui servait à eux pour se déplacer, pour déplacer les choses lourdes. اللي بسمى ضابط الطبيعه بالمنطقة هون بضل يعطيهم مخالفات ويأخذ منهم مصاري مباشرة يعني نكتب له مخالفة 500 شيكل 1000 شيكل ويأخذ منهم مصاري. En fait, il s'appelle gardien de la nature, l'officier de la nature. Donc, il peut attraper qui il veut quand il les trouve avec leur troupeau. Il les verbalise 500 shekels ou 1000 shekels et puis il doit les prendre, prendre l'argent liquide tout de suite. L'officier de la nature, il considère donc le bédouin qui habite ici depuis tout le temps et qui fait partie intégrante de cette nature et de cet environnement, lui et son troupeau, comme étant un danger. Mais il ne considère pas que les tirs puis les expériences qu'ils font ici avec les bombes phosphoriques et tout, etc., que ce soit un danger. Qui a toujours vécu ici et qui utilise les produits naturels et qui donc c'est plutôt, il fait partie de l'équilibre de l'environnement. C'est justement l'introduction de ces colonies qui est une atteinte grave à l'équilibre environnemental. الجيش الإسرائيلي كمان بيعاقبهم بيجي بفتش بيوتهم بالليل وبيخرب المواد التموينية والأكل والملابس تبعهم. Par l'armée, par des militaires, donc qui un peu, donc ils fouillent dans leurs affaires, ils leur portent atteinte physiquement et matériellement pour les empêcher de ومعظم المناطق اللي حواليهم هي اما مناطق المستوطنات المستولي عليها او بيعتبروها مناطق عسكريه مغلقه. Parce que toute la région que vous voyez ici, elle est soit considérée comme appartenant à des gens, donc propriété privée
quand il s'agit de colonies, ou bien c'est des zones militaires fermées. Le Bédouin, vous allez voir les trucs là en ciment, en grand, avec interdiction de rentrer, c'est une zone de tir. هاي خطوط الكهرباء بتمرق من فوق رؤوسهم بس ممنوع ياخذوا منها كهرباء وخطوط المي نفس الشيء من تحت يجريهم ونبعة المي في الوادي جنب juste à côté à quelques dizaines de mètres et ils n'ont pas le droit d'avoir de l'eau, il y a l'électricité qui passe là juste à côté au-dessus et puis ils n'ont pas le droit d'avoir de l'électricité. Et d'où il faut venir l'eau? L'eau, ils la ramènent de sources lointaines mais au prix très fort. Il faut aller la chercher en tracteur. Il faut aller chercher avec des tracteurs dans des citernes. Il la paye مجبرين يروح يجيب مي من عين البيضة أو من بردلة بيكلفهم الكوب المي الواحد أكثر من 30 شيكل يعني 10 دولار كوب المي أو لتر الكوب 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 متر كيو 1000 لتر كم 30 دولار تقريبا 30 دولار Donc il ramène, donc l'eau de Bardala ou bien Ain el-Bayda dans des citernes. Donc ça leur coûte 30 dollars, 30 shekels, 30 dollars, 30 shekels le mètre cube. Gratuitement. Mais ils arrivent jusqu'à chez eux. Les villages, sur quelle distance là, les villages, là où ils vont chercher l'eau, c'est à quelle distance là. Là où on est passé à côté, une vingtaine de kilomètres, vingtaine. Nous avons construit une école, une école, ça ressemble à ce, ça. Oui. Là, juste là, en Koba. Non, juste là à côté. Donc c'est un centre d'observation de toutes les atteintes contre les habitants d'ici par les colons ou les militaires ou les officiers de la nature, l'environnement. Ibrahim ou Marie et Lyon كانوا بدرسوا في المدرسة هون. Ibrahim, qui fait. Donc Ibrahim et puis Maria c'est une amie, c'est une de la qui est là, elle est derrière, qui est toujours là, hein. Chaque fois que je viens ici, je la vois ici. En tout cas, quand je viens, je te trouve ici. Qui est d'Argentine, effectivement, et donc ils ont donné des cours tout à l'heure. Maria, من المتطوعين اللي بيجوا بشكل دائم على الأغوار وبتساعدينا في شغلنا. Maria, c'est parmi les volontaires qui viennent de façon régulière ici pour nous aider dans nos tâches. بيساعدونا في المدارس الشعبية وفي البناء إعادة البناء للناس اللي تنهدم بيوتهم بيساعدونا في des fois la reconstruction de maisons démolies. Pour donner des cours, pour nous aider également à monter des dossiers, la traduction, etc. عشان هيك احنا بنحب المتطوعين يجوا عنا يقعدوا فترة من الزمن يفهموا الشغل ويشتغلوا معنا ويساعدونا في المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال. C'est pour ça que nous aimons beaucoup les volontaires qui viennent ici et qui restent des périodes assez longues. Mais معندكش شيء ضد اللي يجوا يمروا بس يوم واحد لا احنا جزء مهم بلغ الرسالة جزء مهم من شغلنا احنا انه احنا نعمل جولات في العالم نحكي للعالم عن الاوضاع اللي هون جزء منكم قابلنا في بلادكم وجزء اخر مهم من شغلنا انه احنا نستقبل الناس اللي جايين مثلكم نورجيهم الظروف كيف الناس عايشه هون Et nous, qui passons une journée avec vous et tout ça, il m'a dit non. D'ailleurs, notre but également, c'est de montrer un peu à l'extérieur ce qui se passe. Et donc, un certain nombre d'entre vous nous ont déjà accueillis chez eux pour nous ont donné l'occasion d'expliquer la situation. Et beaucoup d'entre vous vont être nos ambassadeurs, justement, pour transmettre la réalité. Pour une raison très simple, c'est que nous faisons partie de la communauté internationale et la communauté internationale a le droit, ou plutôt a le devoir de s'intéresser à notre cas et surtout à ce cas qui représente quand même l'une des occupations les plus longues de contemporaines. احنا كلجان شعبيه زي ما انتم بتعرفوا زي ما اصدقائنا بيعرفوا اللي بيزورونا بيعرفوا انه احنا ما بنسعى ناخذ تمويل
وفلوس من المؤسسات الدولية احنا بنسعى انه ceux qui nous connaissent, nous, comité populaire ici, notre but, ce n'est pas d'essayer d'avoir de l'argent pour développer des projets, c'est-à-dire que ce n'est pas un but en soi. Notre but, c'est justement de montrer ce qui se passe et de mettre fin à cette situation. Populaire pour justement montrer que la situation, ce n'est pas une situation de manque d'argent ou autre, ou bien demander la charité, mais c'est pour demander des droits qui nous sont dus. L'agriculteur, il ne demande pas justement de la charité, il demande simplement qu'il puisse, comme il le faisait auparavant, d'emmener son troupeau pour se nourrir là, dans la colline d'en face. Le problème, ce n'est pas quelqu'un qui est handicapé ou qui ne peut pas travailler ou qui est infirme, c'est simplement son problème, c'est le colon qui est là et qui l'a dépossédé de tout son bien. Il est à l'université et puis un de ses enfants qui lui a rendu visite récemment, il a été tabassé par les colons et lui ont cassé son bras. Ne dites pas, oh, ça c'est rien, c'est pas vraiment le plus dramatique. Il l'étude plus pire que ça, c'est-à-dire ils ont un camp d'entraînement pour, d'ailleurs il y a une petite vidéo qui circule, ils ont un camp pour dresser les chiens et ils arrêtent des Palestiniens, des jeunes Palestiniens comme ça, ils les emmènent là-bas pour dresser les chiens sur les Palestiniens. Et ça, il y a une vidéo. Sans raison. Notre rôle, justement, c'est de faire parler de cette situation, de ces atteintes, partout où c'est possible que ça arrive. ما حدش يقول لي انه هذا المزارع بده كمان تانك مي لانه عنده 20 تانك مي عنده كل الامكانات بس كمان عنده lui il a vous voyez il a des citernes il a beaucoup de citernes il ramène l'eau d'ailleurs mais il y a une source d'eau juste à côté mais il ne peut pas l'utiliser même pas pour boire هو بيقدر يعيش وبقدر يعيش اولاده indépendamment sans aucune aide il peut bien vivre et puis faire vivre toute sa famille. Mais l'occupation l'empêche justement d'atteindre ce but. Notre but, et d'ailleurs même en vous recevant, c'est qu'on travaille ensemble justement pour mettre fin à cette occupation qui pourrit notre vie, pour que ces gens-là puissent également vivre dans la dignité comme le reste des êtres humains sur la planète. Des gens armés, ni d'ailleurs des gens politisés, ni organisés politiquement, c'est des gens qui veulent vivre le plus normalement possible. Peut-on accepter que d'autres viennent de partout dans le monde pour construire une école talmudique ou pour construire des colonies et pour les priver des sources au nom de leur terre et puis les empêcher de vivre? Accepter ou envisager qu'il y ait deux sortes de droits ou de lois pour deux catégories de personnes différentes? L'occupation, elle a combattu le nazisme, elle a combattu le fascisme, mais elle est en train de voir un autre qui fait exactement les mêmes pratiques que ce qu'ils ont subi. Nous sommes tous appelés justement à œuvrer pour que ces gens-là retrouvent leur liberté. Et d'ailleurs, de toute façon, ils ont les moyens, ils peuvent vivre très très bien, et d'ailleurs, ils peuvent vivre mieux que nous parce qu'ils vivent dans un milieu extrêmement sain. S'ils dégagent, on peut vivre très très bien, on peut nourrir toute la Palestine. Non seulement on vivra, mais on fera vivre d'autres personnes avec nous. Donc nous sommes vraiment emprisonnés là, ici on a le droit de rien faire, nous n'avons pas le droit d'avoir. On ne peut pas planter un arbre, il est interdit pour nous de planter un arbre, mais depuis 1967 on vit dans des conditions comme ça, comme vous voyez. Et puis d'ailleurs, il a dit, et puis de temps en temps, parce que
pas toujours dans le même endroit. Le hasin qu'طوب طوب حطها النوع. فيش ni construction bien sûr, ni plantation, ni rien. وتحت التهديد وتحت التفتيش وتحت القتل والهاني. Et tout le temps justement subit des attaques, des l'humiliation et toutes sortes de. والمخالفات. Et قطعنا الشارع 1000 شيكل, البقرة تقطع الشارع 1000 شيكل. Sans parler des contraventions. Ma femme elle peut aller de l'autre côté puis revenir 1000 شيكل d'amende. La vache aussi, il a dit. حتى البقرة إذا قطعت نعم 1000 شيكل. Mais pas la femme et la vache. 1000 شيكل. Non non non, il a dit 1000 شيكل. Pour préciser aussi, il a dit que les vaches. عندك المخالفات؟ اه في والله. هات هاتي المخالفات. هاتي المخالفات. Mais quoi, on va aller de l'autre côté là. Ils ont le droit de traverser pour l'école. Ils ont le droit de traverser. انت تقرا اللغه نتاعهم هذا الشيء تقوله ما فهمش. لا بس هو بكل يدفع وبتدفع مخالفه. ها جبال محميه عندها محميه طبيعيه. طابو ارض فلسطينيه. بس طابو كلها طابو الارض كلها ارض ملكيه يعني ارض ملكيه للشعب الفلسطيني. بس هم يعتبروها طبيعه. في الجامعة يا اليونيفرسيتي اليوم هناك نداوم اللي هو اليونيفرسيتي فين الجامعة فانا بقى في القدس جامعة القدس في توباس توباس C'est pas très loin d'ici. Donc il était loin, ils l'ont sauté dessus. Voilà, il était tout seul, il était en fait isolé, et ils l'ont attaqué et ils l'ont frappé. Sans raison. Sans raison, il n'y a pas de raison. Vidéo, tu sais quand... Il est où d'abord? Où est-ce qu'il est? Il est à l'université de Toubas. Aujourd'hui. Il est à l'université. Si tu voyais son visage, il est un peu abîmé. Mehdi, ana andi wildi ismu Mehdi. Il n'a rien fait, elle t'a dit. Il n'a rien fait. Il est palestinien. Et هو عمل حاجة يعني. إيش هو فلسطين؟ عشان فلسطين. Il est. علشان فلسطيني ضربوه. بالضبط. إذا كان هو يعني إسرائيلي ما يضربوه. حسب كهين على العين. أجوا منها المستوطن شفتهم؟ نعم. لقيتهم؟ إي شفناهم. أجوا تشتم ولادهم يلعبوا معهم الحرية ما إحنا ما نتعشى. C'est-à-dire, eux, ils peuvent venir jusqu'ici, jusqu'ici, nous, on ne peut pas traverser. Ah, mais nous, on peut pas traverser. Eux, ils peuvent aller où ils veulent. Ils circulent dans toute la région. Salam, salam, salam. Shukran. Aïe, ma salam. Salam, salam.